السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته لنتواصى بالحق والصبر. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومرسي الله سبحانه وتعالى après l'avoir loué, proclamé sa louange, après avoir prié sur son noble les prophètes et messager sallallahu alayhi wa sallam, on remercie Allah pour ce grand bienfait, cette assise dans laquelle on s'enjoint mutuellement la vérité ainsi que l'endurance. Et le sujet, comme vous le savez, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses mérites. Le rappel d'Allah et ses mérites. Et je me suis basé pour préparer cette conférence sur l'explication du livre Al-Kalam ou Al-Kalim At-Tayyib d'Ibn Taymiyyah, faite par le savant Abdul Razzaq Al-Badr. Puis des chapitres du livre Sahih al-Targhib l'Hafiz al-Munziri rahimahullah ta'ala. Fa'aqul musta'inan billahi azza wa jal, inna khayra ma surifat fi al-awqat wa umdiyat fihi al-anfus zikrullah وحياة القلوب عزها وفلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة وهي طمأنينة القلوب، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وللذكر منافع عديدة لا تحصى، وثمار كثيرة لا تستقصى، وترتب عليه من الآثار الحميدة على عباد الله المؤمنين بها تتم سعادتهم. La meilleure chose par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure chose par laquelle on occupe notre temps, c'est dhikrullah, c'est l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec cela, il y a réellement la vie des cœurs, ce qui donne lieu à la vie des corps. L'homme ne peut être heureux
La femme ne peut être heureuse, l'enfant ne peut être heureux si ce n'est dans les vocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la tranquillité du cœur ne peut être acquise si ce n'est avec le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et son évocation. Comme Allah nous le dit dans le Coran, selon la traduction, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Celui qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala obtiendra de nombreux bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et les mérites de cette adoration sont indénombrables. Personne ne peut tous les citer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, tellement ils sont nombreux. Quant à celui qui s'adonne à cette adoration et fait des efforts dans ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, il obtiendra de nombreuses récompenses, de nombreux bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. فالواجب علينا جميعا تعظيم هذه العباد والإكثار من العمل بها. Le bonheur, la tranquillité, la réussite et la félicité s'obtient avec le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après avoir compris cela, il nous faut tous redoubler d'efforts dans cette adoration. Et le but ici est de s'encourager afin qu'on fasse tous des efforts dans la mise en pratique de cette adoration. Et pour ce faire, il nous faut savoir qu'avons-nous à gagner à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Quels sont les mérites de cette adoration et quelle est la place de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala auprès de notre Seigneur Azza wa Jal. النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. Le prophète صلى الله عليه وسلم, comme vous le savez tous, c'est notre exemple, c'est notre messager bien-aimé صلى الله عليه وسلم. وصفته عائشة رضي الله عنها فقالت كان يذكر الله على جميع أحيانه أو في كل أحيانه. عائشة nous décrit le prophète صلى الله عليه وسلم, notre exemple, en nous disant il évoquait Allah dans toute situation. رواه مسلم. ولأهمية هذا الموضوع ألف أهل العلم من السابقين واللاحقين في هذا الموضوع كالإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه عمل اليوم والليلة والبيهقي والنووي في كتابه الأذكار وابن تيمية في الكلم الطيب وابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب وفي عصرنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار وهكذا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى يهتم بهذا الموضوع كثيرا. Ce sujet a tellement d'importance auprès des savants, ceux qui connaissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui savent ce qui plaît à notre Seigneur et Créateur tabaraka wa ta'ala. Ils ont donné de l'importance à ce sujet. Ils ont donc écrit de nombreux ouvrages. À ce sujet, comme l'imam al-Nasa'i qui a écrit un livre qui s'appelle عمل اليوم والليلة, les actions du jour et de la nuit. L'imam al-Nawawi a écrit un livre qui est un des meilleurs livres dans le sujet qui se nomme Al-Adhkar, les rappels. Ibn Taymiyyah a écrit un livre qu'il a intitulé La bonne parole, probablement en se basant sur le verset, comme l'a dit Cheikh Abd al-Razzaq حفظه الله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Ibn al-Qayyim également écrit un livre qui se nomme Al-Wabil As-Sayyib à ce sujet. Et parmi les contemporains, l'imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, un ancien mufti, qui a écrit un livre qui s'intitule Tuhfatul Akhyar. Et parmi les savants qui sont encore vivants, qui accordent beaucoup d'importance à ce sujet,
il y a al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah, tabaraka wa ta'ala. فالذكر أو فللذكر فضائل كثيرة جدا، والقرآن مليء بهذه الفضائل، وهكذا سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. Donc l'évocation d'Allah comporte de nombreux mérites. Le Coran est rempli de versets nous encourageant à l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala avec abondance. Tout comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est remplie de textes qui nous encouragent à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez tout d'abord que cette action, évoquer Allah, nous a été ordonnée par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs versets. Fadalla ala annaha ibadah, et de cela on tire que c'est une adoration. Wa kafa bi dhalika hathan ala al-ikthar min dhikrillah, et de savoir que c'est une adoration est suffisant pour qu'on trouve la motivation nécessaire afin de souvent évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Que dire alors si Allah explicitement nous ordonne cela dans le Coran? Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabi al-aziz: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs versets de son noble livre, Al-Qur'an al-Karim, nous ordonne de l'évoquer. Dans Sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, évoquez Allah de manière abondante. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs qu'il a élus, ordonne aux croyants, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont suivi son noble prophète et messager. Quel est cet ordre? Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullah. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah. De quelle façon? Dhikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'une façon abondante. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs pieux de l'évoquer. Et de l'évoquer de manière abondante. Tu ne dois pas te suffire d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois l'évoquer comme Allah te l'a ordonné dans ce verset et dans d'autres, de manière abondante. Wa kama anna Allah subhanahu wa ta'ala amara 'ibadahu al-mu'minina bidhalik amara khullasa 'ibadihi al-muwahhidin anbiya'ahu wa rusulahu kama fi surati Ali Imran fi qissati Zakariya: وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs pieux parmi les croyants de l'évoquer de manière abondante, il a donné cet ordre à l'élite de ses serviteurs. J'entends par cela les prophètes et les messagers. Dans Sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Zakariya et lui dit: et invoque ton Seigneur de manière abondante, et invoque ton Seigneur de manière abondante. وَبَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ أَهْلَ الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ هُمْ أَهْلُ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ الرَّشِيدَةِ وَهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ. فقال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم هؤلاء؟ من هم أولو الألباب؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله
قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فأولى صفاتهم والذين يذكرون الله، وهؤلاء يذكرون الله في كل أحيانهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى nous montre dans le Coran que ceux qui ont la raison la plus saine, ceux qui ont été guidés par Allah tabaraka wa ta'ala et qui tirent profit de ces signes sont ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans surat Ali Imran le verset 191: il y a dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ceux qui évoquent Allah, debout, assis et allongés sur leur flanc, et méditent dans la création, sur la création des cieux et de la terre, puis disent: ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain, préserve-nous donc de l'enfer. Préserve-nous donc du châtiment de l'enfer. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que ceux qui ont la raison la plus saine, la plus pure, ceux qui ont obtenu la réussite d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui tirent pleinement profit de ses rappels et de ses signes, sont ceux qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Soufiane, enlève le téléphone et ne le repose pas. Et la première caractéristique citée de ceux qui ont la raison saine et de ceux qui tirent profit des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala est qu'ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans tous leurs états, dans toutes situations. Lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils se tiennent debout, ils évoquent Allah. Lorsqu'ils se déplacent, ils évoquent Allah. Lorsqu'ils sont assis, ils évoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'ils sont allongés, ils évoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Dans toutes leurs situations, dans tous leurs états, le rappel d'Allah azza wa jal ne se sépare pas de leur cœur, donc ne se sépare pas de leur langue. Wa madaha Allah subhanahu wa ta'ala ahla dhikr. Madaha Allah subhanahu wa ta'ala fi ghayri ma aya ahla dhikr. فقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans sourate Al-Ahzab, dans la sourate l'équalisée, Allah fait les éloges de ses serviteurs pieux. Et il cite leurs caractéristiques les plus distinctives. Puis, à la fin de ce verset, il annonce un pardon de sa part et une énorme récompense. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Dans ce passage du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge
de ses serviteurs pieux en citant plusieurs de leurs caractéristiques. La dernière caractéristique citée ici, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرًا, ceux et celles qui évoquent Allah, ceux et celles qui évoquent souvent Allah. Puis il nous cite à la fin de ce verset le grand bien et la grande récompense qui attend ces gens. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا, Allah leur a préparé un pardon. والمغفرة وستر الذنب والتجاوز عنه وعدم مؤاخذة المذنب عليه. المغفرة, donc on voit ici que parmi les mérites du rappel d'Allah, de l'évocation d'Allah, il y a le pardon d'Allah. Après avoir fait leur zéla, Allah subhanahu wa ta'ala ici cite ce mérite, c'est qu'il pardonne à ses serviteurs. Al-Maghfira, qu'Allah accorde à ces gens-là, et parmi leurs caractéristiques, le fait d'évoquer souvent Allah, c'est le fait qu'Allah cache les péchés de son serviteur. Deuxièmement, il efface le péché, de sorte à ce que le serviteur ne le trouve pas le jour du jugement dernier dans ses feuillets. Troisièmement, on préserve le serviteur des effets néfastes qui découlent de la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla. Tout cela pour ceux qui évoquent souvent Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis Allah finit ce verset en disant et une énorme récompense. Et nous n'avons pas cité ici la récompense. Les ta'rim il ajr wa tafrimi, pour nous montrer qu'elle est immense. Et pour qu'elle ait cette place dans nos cœurs, pour qu'on immensifie cette récompense. Et il y a dans cela clairement un encouragement à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala très souvent. فَهَذَا ثَنَاءٌ لِبَعْدِ عِبَادِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ صِفَاتِهِمْ الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَفِي آيَةٍ أُخْرَى مَدَحَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ووصفهم بالرجولة الحقيقية فقال عز من قائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فيه من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans sourate An-Nur, la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala, tout particulièrement dans sa demeure préférée, c'est-à-dire les mosquées. Il nous dit subhanahu wa ta'ala fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, dans des demeures qu'Allah a permis qu'on élève son rappel et qu'on cite son nom, qu'on proclame sa louange le matin et le soir. Il y a des hommes dont le commerce ni le négoce ne distrait du rappel d'Allah, de l'accomplissement de la prière, du fait de s'acquitter de l'aumône. Ils ont peur d'un jour où les cœurs et les regards seront bouleversés. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du meilleur endroit pour invoquer Allah, Masajidullah, les mosquées. Et nous cite que dans ces mosquées qu'on élève, son nom est cité, que ce soit le matin ou le soir. Puis il fait l'éloge
d'hommes. Qui sont ces hommes? Rijal la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Des hommes que ni le commerce, ni le négoce ne distrait du rappel d'Allah. Ces gens-là, ceux qui ont la plus grande part dans leur cœur, dhikrullah. Ceux qui ont le plus de place sur leur langue, dhikrullah. Ce qui a le plus d'importance pour eux, c'est dhikrullah. Au point où ce après quoi toute personne court, ou bien ce que toute personne aime plutôt, n'a pas réussi à les distraire du rappel d'Allah. El mal, l'argent, est aimé de toute personne. Comme Allah nous le dit dans le Coran. Pourtant cet argent n'a pas réussi à distraire ces hommes. Qui sont ces hommes? Les hommes, des hommes qui ont accordé la plus grande place au rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. À l'accomplissement de la prière, à l'acquittement de l'aumône. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fait leurs éloges en disant, yakhafuna yawma. Ils ont peur d'un jour. Quel est ce jour? Le jour du retour vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Le jour de la résurrection, le jour du grand jugement. Le jour des comptes. Le jour où les gens seront séparés. Divisé et classifié. Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Il y aura une partie qui entrera au paradis. Ja'ana Allah wa iyyakum min ha'ula'i al-fa'izin et une autre partie qui ira en enfer. Adana Allah wa iyyakum min an-nar. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. Ce jour-là, les cœurs et les regards seront bouleversés. Liyajziyahum Allah. Pourquoi est-ce que ce jour-là on reviendra vers Allah? Afin qu'Allah les rétribue. Liyajzihumullahu ahsana ma amilu. Afin qu'Allah les rétribue selon le meilleur de ce qu'ils œuvraient. Wa yaziduhum min fadli. Et qu'il leur ajoute de ses faveurs. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Et certes, Allah donne à qui il veut. Et cela sans compter. Remarquez dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié Ahla al-dhikr bil-rujula. Remarquez que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les gens qui évoquent Allah comme étant des hommes, comme étant véritablement des hommes. Far-rujula al-haqiqiyya تتحقق بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى بذكره ومعرفته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا كما يظنه البعض في الاعتداء على الآخرين وبالجهل عن ذكر الله وأمره. Donc le fait d'être un homme au sens propre du terme nous est enseigné ici par Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a créé, celui qui a créé l'homme. Khalaqa l'insan. L'homme qui mérite cette appellation et cet éloge est celui qui réalise ce pourquoi il a été créé. Qui évoque Allah, qui apprend à connaître Allah, qui adore Allah, qui unifie Allah d'un culte sincère, qui proclame son unicité, qui obéit Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'homme. Contrairement à ce que certains pensent, que l'homme, celui qui est fort, est celui qui opprime les autres, qui rabaisse les autres, ou bien celui qui possède des millions, même si cela a été acquis de manière illicite, celui dont les faibles ont peur, non. L'homme هو المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم المكثر من ذكر الله القائم بأمر الله المحافظ على الصلاة الذي يؤدي الزكاة الذي يعمر مساجد الله. L'homme est celui qui préserve les limites d'Allah. L'homme est celui qui accomplit la prière, celui qui évoque Allah, qui peuple les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui s'acquitte de l'aumône légale, celui qui préserve les ordres d'Allah. Voici celui qui est réellement un homme.
Donc celui qui veut cette appellation et qu'on lui attribue ses éloges, il lui faut agir ainsi et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala très souvent. وَمِنْ فَضَائِلِ ذِكْرِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّقَ الْفَلَاحِ بِالْإِكْتَارِ مِنْ ذِكْرِهِ. Parmi ceux qui l'ont, entre le mérite du rappel d'Allah et son évocation, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est rattaché à la réussite au fait de l'évoquer de manière abondante. Il nous dit Jalla wa ala وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ dans sourate al-Jumu'ah. Le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et évoquez Allah de manière abondante afin que vous récoltiez le succès. Donc on a rattaché le succès à l'évocation d'Allah, au fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de manière abondante. À l'inverse, celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, cette personne ne réussira pas, ni dans ce bas monde, ni dans sa tombe, ni dans l'au-delà. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا. Quant à celui qui s'éloigne du rappel d'Allah Azza wa Jal, du Coran, de ses ordres, de ses interdits, du rappel d'Allah, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura à vivre une vie pleine de gêne. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا. Il sera ressuscité le jour de la résurrection, aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Oh mon Seigneur, pourquoi suis-je ressuscité? Pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. C'est ainsi que lorsque nos versets te venaient, que tu te comportais, tu les as oubliés. Aujourd'hui, de la même façon, tu es oublié. Il sera délaissé par Allah tabaraka wa ta'ala, car il a délaissé fi dunya son rappel. Il a délaissé le Qur'an. Il a délaissé le sunnah. Il a délaissé le tawhid. Il a délaissé le salat. Il a délaissé le zakat. Il a délaissé le husnul khuluq. Il a délaissé taqwa Allah. Alors sa rétribution sera qu'il sera abandonné yawm al-qiyamah. Il sera abandonné yawm al-qiyamah. Quant à ceux qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala et se sont souvenus de lui, l'ont évoqué, Allah subhanahu wa ta'ala les préservera en ce jour terrible. Wa min a'zam hadhihi al-fada'il أن من ذكر الله ذكره الله. Parmi les plus grands mérites qu'il y a dans l'évocation d'Allah, le fait que celui qui évoque Allah, Allah le citera. Allah le citera. À cet effet, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحده وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. S'il y avait parmi les mérites du rappel d'Allah et son évocation que ce point-là, cela aurait été suffisant comme mérite et noblesse. Cela aurait été suffisant comme mérite et noblesse. Dans un autre passage, il nous dit: il n'y a rien d'étonnant à ce que le serviteur faible évoque son Seigneur, duquel il ne peut se passer. Mais la chose la plus étonnante, c'est que le Seigneur immense cite son serviteur faible, duquel il n'a pas besoin. Il nous dit une parole semblable, rahimahullahu ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Citez-moi, je vous mentionnerai. Montrez-vous reconnaissant envers moi et ne vous montrez pas ingrat. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'évoquer. Fadhkuruni. Puis il nous cite la rétribution promise et attribuée à ceux
qui évoqueront Allah. لأن الجزاء من جنس العمل. Car Allah te donne en fonction de tes actions. فاذكروني أذكركم. Quelle est cette grande récompense? Évoquez-moi, je vous mentionnerai. Donc tu fais du zikr à travers le tasbih, le tahlil, le takbir ou qira'at al-Qur'an ou bien le hawqala ou le basmala ou autre. Tu dis subhanallah ou alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. La lecture du Qur'an, tout ce qui entre dans le zikr, bah Allah subhanahu wa ta'ala te récompense en te citant. Il te cite, toi, la créature faible, la créature qui a toutes ses imperfections, la créature qui lui désobéit le jour comme la nuit, la créature qui a tant d'imperfections. Ben, tu es cité et mentionné par ton Seigneur Tout-Puissant, par le Seigneur des cieux et de la terre, par ton Créateur, ton propriétaire. Allah tabaraka wa ta'ala te rétribue en te mentionnant. La ilaha illallah. Ma a'zama karam rabbil alamin. Comme est immense la générosité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Wa min fada'il dhikrillahi tabaraka wa ta'ala anna al-kalim at-tayyib أن الكلمة الطيبة تسعد إلى الله سبحانه وتعالى. Parmi les grands mérites de l'évocation d'Allah, le fait que la bonne parole remonte vers lui. La bonne parole remonte vers Allah سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Allah nous dit dans le Coran, vers lui remonte la bonne parole. Et la bonne action, elle l'élève. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vers lui monte la bonne parole. Et il élève haut la bonne action. هذا فضل عظيم لذكر الله تبارك وتعالى والدعاء والعمل الصالح أنه يسعد إلى الله. Ici un grand mérite du rappel d'Allah et de son évocation. La bonne parole remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Et Allah est bon, pur, et n'accepte que ce qui est bon et pur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allah ilayhi ay ila Allah. Allah nous dit vers lui, c'est-à-dire vers Allah. Wa fi hadha دلالة على أن الله عالي فوق جميع المخلوقات. Et dans cela, il y a une preuve irréfutable quant au fait qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures, au-dessus des cieux. Subhanahu wa ta'ala. Il est dans l'élévation. فهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال. سبح اسم ربك الأعلى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أأمنتم من في السماء. Dans de nombreux versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il est élevé au-dessus des cieux, au-dessus du trône, qu'il est en dehors de la création, qu'il est au-dessus de l'ensemble des créatures. Dans ce verset, il nous dit, vers lui remonte la bonne parole. De cela, on tire qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de ses créatures. Car l'élévation ne peut se faire que vers le haut. On ne dit pas qu'Allah est partout. On ne dit pas qu'Allah est nulle part. On ne dit pas qu'Allah est dans toutes choses. On ne dit pas que tout est Allah. Mais on dit plutôt comme Allah nous dit dans le Coran. الرحمن على العرش استوى. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Voici la croyance musulmane, islamique authentique. Voici la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à une femme
أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الأجايم فهم qui suis-je? Elle lui a dit tu es le message d'Allah. Il lui a dit où est Allah? Elle lui a répondu في السماء, dans l'élévation, ou bien au-dessus des cieux. Il a répondu par la suite à son il a dit par la suite à son propriétaire affranchis-la donc car c'est une croyance. Il a jugé de sa foi et de l'authenticité de sa foi par ces deux points principaux de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Le premier, al-shahada bir-risala, le fait d'attester que c'est le message d'Allah. Et le deuxième point, ulu-Allah subhanahu wa ta'ala ala sa'ir al-makhluqat, le fait d'affirmer et d'attester qu'Allah est élevé au-dessus de toutes ses créatures. إليه يسعد الكلم الطيب, vers lui remonte la bonne parole. Ici on attire notre attention sur un point important. C'est que la bonne parole monte vers Allah. Est-ce que toutes les paroles remontent vers Allah? Non, la bonne parole. La bonne parole seulement. Comment savoir si la parole est bonne? بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. En revenant au Coran et à la Sunna. En revenant au Coran et à la Sunna, on sera quelle est la parole qui plaît à Allah Azza wa Jalla? On voit ici l'importance d'étudier les livres de Adhkar où il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non pas à la manière de As-Sufiyya, Ad-Dullal al-Mubtadi'a. Liman baqi ala al-Islami minhum, fa inna minhum man kharaja an al-sirat al-mustaqim, wa kharaja an al-Islam. Non pas à la manière de As-Sufiyya, des adeptes du soufisme. Ces personnes qui se sont égarées du droit chemin, de la voie droite, de la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de ceux qui innovent des invocations suite à un rêve. Suite à un rêve, ils se mettent à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. L'un de leurs chers leur dit: dites 100 fois tel nom d'Allah et vous aurez le bonheur. Dites 1000 fois à telle heure de la journée et vous serez préservé de toute maladie du ventre. Et ce genre d'innovation et de mensonge. Subhanallah. Subhanallah. Afanatruku sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa natamassak bil ahlam. Allons-nous délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il nous a transmis de la part de son Seigneur pour nous accrocher à des contes anciens, pour nous accrocher à des rêves de personnes qui se sont égarées du droit chemin? Ceux qui disent: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve et il m'a dit: tiens, je te donne telle invocation, elle est meilleure que le Coran. A'oudhu billah. Comment est-ce que tu peux croire en cela, mon frère? Comment est-ce que tu peux croire en cela? Reviens au Coran, reviens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de savoir quelle est la bonne parole qui remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça n'est pas toute parole qui remonte vers Allah, c'est la parole qui est bonne. La parole qui est bonne est la parole qui a été prononcée avec sincérité. Ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahu ddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك. Le premier point pour savoir qu'une parole est bonne est la sincérité. Tu dois prononcer cette parole à la recherche de l'agrément d'Allah. Tu dois prononcer cette parole en ayant purifié ton cœur de la recherche de tout autre qu'Allah. Al-Ikhlas. Allah nous dit, il leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actions ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, Allah le Très-Haut dit, je suis celui qui me passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant un associé dans celle-ci, je le délaisserai lui et son associé, ou bien lui et son association. Donc tu dois prononcer cette parole à la recherche de l'agrément d'Allah. Le deuxième point pour que ton action soit bonne et remonte vers Allah, c'est qu'elle soit en conformité avec
La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre ordre sera rejeté. Sera rejeté. Donc la personne doit s'efforcer d'étudier les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les comprendre, de les appliquer, de les prononcer. Et c'est pour cela que, inshallah ta'ala, à partir de la semaine prochaine, tous les jeudis, on étudiera le livre d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, al-kalim al-tayyib. Et je me baserai pour cela sur l'explication de Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala. والعمل الصالح يرفعه. Et la bonne parole, il l'élève. Donc, ou plutôt la bonne action. Ou plutôt, na'am, la bonne action. Ici, on nous encourage à prononcer de bonnes paroles. La bonne parole, c'est dhikrullah. La bonne parole et l'évocation d'Allah. La bonne parole se trouve dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kathratu dhikr amanatun minan nifaq. Parmi les grands mérites du rappel d'Allah, le fait qu'en évoquant Allah très souvent, tu seras préservé de l'hypocrisie. Tu seras préservé d'être du nombre des hypocrites. Et c'est une chose redoutée par l'ensemble des croyants. La yakhafu illa mu'min. Et ne redoute l'hypocrisie qu'un croyant. Comme l'ont dit les pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs nous disent: j'ai rencontré une trentaine, si je ne me trompe pas, d'Ibn Abi Mulaika. أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخافون النفاق على أنفسهم. J'ai rencontré une trentaine parmi les compagnons du messager d'Allah. Tous redoutaient l'hypocrisie sur eux-mêmes. Subhanallah. Tous redoutaient l'hypocrisie. عمر بن الخطاب رضي الله عنه المبشر بالجنة زوج بنت رسول أو أبو زوج أبو زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال الزوجة ويقال الزوج، والزوج أفصح وهو في القرآن. خاف على نفسه من النفاق. قال لحذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك بالله، هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ الله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان pourtant reçu la bonne nouvelle du paradis, craignait et redoutait sur lui-même l'hypocrisie. Il est parti trouver Hudhayfa radiallahu anhu et lui a dit: oh Hudhayfa. Pourquoi est-ce qu'il est parti le voir lui? Car c'est lui qui avait la liste des hypocrites. C'était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette affaire. Et il lui a dit: oh Hudhayfa, je te demande par Allah, je te demande et je te questionne par Allah, est-ce que le messager d'Allah m'a cité dans la liste des hypocrites? Il a tellement insisté que Hudhayfa lui a répondu. Il lui a dit: non, et je n'informerai plus personne après toi. Non, mais je n'informerai plus personne après toi. Pourquoi est-ce que les savants ont dit que d'évoquer Allah très souvent préserve la personne de tomber dans l'hypocrisie? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Il nous décrit les hypocrites et nous dit: il n'évoque Allah que rarement. Il n'évoque Allah que très peu. Donc, si les hypocrites sont caractérisés ainsi, toi, ayyuha al-muslim, wa anti ayyuha al-muslima, عليكم أن تتصفوا بالإكثار من ذكر الله. علينا جميعا أن نتصف بهذه الخصلة العظيمة الحميدة الحبيبة إلى مولانا جل وعلا. Après, pour toute personne qui
qui écoute ce verset, qui a compris ce verset, il doit s'empresser d'avoir le contraire de ce défaut. Si tu entends, si tu sais que les hypocrites ont été caractérisés ainsi, ils évoquent Allah que très peu. Toi, en tant que croyant, tu dois aller à l'opposé. Tu dois aller à l'opposé. Donc, évoquer Allah de manière abondante. Dans un autre verset de Sourate Al-Munafiqun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Allah nous dit: ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, car ce sont ceux qui se soumettent à son ordre, car ce sont ceux qui sont tout puits à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il les appelle par la meilleure de leurs qualités, al-iman. Ô vous qui avez cru, que vos richesses et vos enfants ne vous distraient pas du rappel d'Allah. Pourquoi est-ce qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala a cité particulièrement les richesses et les enfants? Car, comme le dit le noble Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, ce sont les deux choses qui sont la plus grande cause de distraction chez l'homme du rappel d'Allah. Ses richesses et ses enfants. Lorsque la personne est au masjid, elle ressent qu'elle est proche d'Allah, elle ressent qu'elle évoque plus Allah, que son cœur est plus proche d'Allah, que sa langue est plus à même de citer Allah Azza wa Jal sans se fatiguer, ni être distrait de cela. Car chez toi, au travail, tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup à faire. Et ton cœur est préoccupé par l'argent, par les richesses, par la dunya ou par tes enfants. Donc Allah Azza wa Jal t'interdit ici d'être distrait de son rappel, que ce soit par tes richesses, tes biens, ou que ce soit par tes enfants. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: wa man yaf'al dhalik. Allah Azza wa Jal menace ceux qui n'obéiraient pas à cet ordre et en s'éloignant de cet interdit. Il les menace en disant: wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Et celui qui fait cela, quiconque fait cela, fera partie du nombre des perdants. Fal khasar kullul khasar fi al-ghaflati 'an dhikrillah wa al-ibti'ad 'an al-amr alladhi li'ajli khalaqaka Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la perte, toute la perte, est dans le fait d'être distrait du rappel d'Allah et de s'éloigner de la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé. Les savants ont dit: dans quel verset ce verset a été cité? Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce qui répond à cette question? Tafadhal. Sourate Al-Munafiqun Al-Hikaya. Dans la sourate, les hypocrites. Certains savants ont dit: il y a une grande subtilité à avoir cité ce verset dans la sourate les hypocrites. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit d'être distrait de son rappel, que ce soit par nos biens ou par nos enfants, dans cette sourate? Les savants ont répondu en disant: car celui qui évoque souvent Allah sera préservé de l'hypocrisie. Deuxièmement, car les hypocrites sont ceux qui évoquent très peu Allah et sont distraits de son rappel. À partir de là, ils ont pu citer cette faïda, cette information ô combien profitable: an al-ikthar min dhikrillah amanatun min an-nifaq. Wasal Allah azza wa jal an yaj'alana min az-zakirin Allah kathiran wa an yaj'ala
أخواتنا وأزواجنا وبناتنا من الذاكرات الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى أمر بالذكر والإكثار منه بعد أعظم العبادة وأجلها وأحبها إليه. Parmi ce qui nous montre le mérite, le grand mérite de cette adoration, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à ses serviteurs pieux, aux dévots, après avoir accompli les meilleures des adorations, de l'invoquer de manière abondante. De l'invoquer de manière abondante. Et pendant la meilleure des adorations, les savants ont même dit que l'ensemble des adorations ont été légiférées bi ikramati dhikrillah. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré l'ensemble des adorations? Afin que l'évocation d'Allah soit mise en pratique. Par exemple, concernant la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimis salata akmilu li dhikri. Accomplissez la prière afin de m'évoquer ou bien pour vous souvenir de moi. Pourquoi est-ce qu'on accomplit la prière? Pour nous souvenir d'Allah, pour évoquer Allah, pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala de par son évocation. Concernant As-Siyam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ. Concernant le jeûne de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit afin que vous compliquiez Maza, le terme. Afin que vous compliquiez le terme. Afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Donc, pourquoi est-ce que nous jeûnons? Pourquoi est-ce qu'il nous a été légiféré As-Siyam wa litukabbirullah? Pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah devant ce qu'il vous a accordé comme guidé. Ainsi peut-être vous obtiendrez la droiture. Donc après la pendant la prière, pendant le jeûne et après le jeûne. وَهَهُنَا بَعْدَ الْحَجِّ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَوْ آبَاءَكُمْ أشد ذكرا أو أشد ذكرا. Dans sourate Al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après avoir fini vos rites, c'est-à-dire du pèlerinage, invoquez Allah comme l'ont fait vos parents ou plus encore, ou de manière plus ardente encore. La personne qui accomplit le hajj de la meilleure façon, après s'être éloigné des péchés, quelle est sa récompense? Al-Hajj al-Mabrur, quelle est sa récompense? Laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj bien accompli n'a d'autre récompense chez Allah si ce n'est le paradis. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ces gens de faire quoi? Zikrullah. Zikrullah, zikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne, après s'être purifié de leurs péchés, après avoir dépensé des milliers d'euros, après avoir quitté leur famille, s'être éloigné de leurs épouses, après tout ça, on leur ordonne de faire du zikr. فَلَا يَسْتَغْنِي أَحَدٌ مَهْمَا عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ وَصَلُحَ أَمْرُهُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Donc personne ne peut se voir à l'abri du besoin du rappel d'Allah. Quel que soit son degré et son rang près d'Allah. Quel que soit son degré de piété. Après le hajj, la personne revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala ainsi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants disent plus encore, toutes les adorations
ont été légiférés afin que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala soit mise en pratique. Après la prière obligatoire, on voit aussi qu'on nous a encouragé à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Fuqara al-muhajirin jaw ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les pauvres parmi ceux qui ont fait les hijra sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit au messager d'Allah. Les riches sont partis avec toutes les récompenses. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Ils prient comme nous prions. Mais ils ont de l'argent en plus. Donc ils peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne vais-je pas vous informer d'une chose? Si vous la faites, vous allez rattraper ceux qui vous ont devancé et dépasser toute personne sauf celui qui fera comme vous. Oui, au message d'Allah, informe-nous. Il leur a dit, après chaque prière, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Alors ils ont mis en pratique ce conseil. Les riches ont entendu ce hadith. Eux aussi ont mis en pratique ce hadith. Et ils se sont mis à dire, après chaque salat, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33. Alors les pauvres sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au message d'Allah, nos frères parmi les riches ont entendu ce hadith, et ils l'ont mis en pratique. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Hada fadlullah, yu'tihi man yasha. Voici la faveur d'Allah et sa grâce. Il l'accorde à qui il veut. Il l'accorde à qui? Donc après la prière obligatoire, après t'être déplacé au masjid, après avoir posé ton front au sol pour immensifier Allah Azza wa Jal et t'humilier devant lui, tu ajoutes de l'adoration à ton adoration. Tu ajoutes du zikr à ton zikr en disant Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu wa Allahu Akbar. Et les versets sont très nombreux dans ce sujet. Très 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 nombreux. Passons maintenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tout comme le Coran contient de nombreux textes traitant des mérites de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fi sahihayn an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu Allah ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah le très haut dit, ou bien Allah dit, je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je le citerai en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, alors je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que la sienne. Dans ce hadith, on voit des grands mérites du rappel d'Allah Azza wa Jal et de son évocation. Al-Ma'iyya, Al-Khassa. On voit que celui qui évoque Allah, Allah l'évoque. Et on a cité cela dans les versets. Pas de couronni, pas de couronni. Ici, un poids en plus. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et je suis avec lui, si ou bien lorsqu'il m'évoque. Yakunu Allah ma'ak binusratihi wa ta'yidi. Yuhibbuka Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu évoques Allah, Allah sera avec toi. Dans un autre hadith, avant de détailler un peu plus, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه ابن ماجه وقال الألباني صحيح لغيره رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم نجيب الله nous dit, et je suis avec mon serviteur si ses lèvres bougent de par mon évocation. À chaque fois que tu bouges tes lèvres pour parler d'Allah, pour évoquer Allah, pour faire les éloges d'Allah, proclamer sa grandeur et sa louange,
Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Nous avons cité plutôt dans la conférence que Allah subhanahu wa ta'ala est où? Aïn Allah? Fis sama. Allah est élevé au-dessus des cieux. Et ici on voit dans le hadith qu'Allah azza wa jalla est avec nous. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran? Est-ce possible? Une contradiction avec la sunna, est-ce possible? Non. Le tout vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. ليست هذه ولو ماذا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. الله عز وجل dit ne méditez donc pas le Coran, et si cela venait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran ni du Coran avec la Sunna, car le tout et la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Ma'iyya, le fait qu'Allah soit avec nous lorsqu'on l'évoque, est expliqué par les savants et par les textes avant cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Al-Dhakiru qaribun min madhkuri wa huwa madhkuruhu ma'ahu. هذه المعية هي معية الولاية والمحبة والنصرة والتوفيق. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: celui qui évoque Allah est proche de celui qu'il évoque. Celui qui évoque est proche de celui qu'il cite. Et celui qui est cité est avec celui qui le cite. Et de dire qu'Allah est avec nous et avec lui, c'est-à-dire de pas, c'est-à-dire qu'il est proche de lui. C'est-à-dire qu'il l'aime, il est avec lui de par son amour, de par son secours, et il lui accorde la réussite. D'autres savants ont ajouté, Naam, Ibn Qayyim l'a cité même ici, il le secourt. Donc quand tu cites Allah Azza wa Jalla, il est avec toi, c'est-à-dire qu'il te secourt, il te protège, il t'aime, il t'accorde la réussite. Comme dans l'histoire de Moussa et de Haroun, lorsqu'ils sont partis appeler Fir'aoun à l'islam, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Je vous entends, je vous vois. Je suis avec vous, je vous protégerai, je vous défendrai, je vous donnerai la victoire et je vous mettrai à l'abri des nuisances de Fir'aoun. Dhikrullah bihi halim al-a'mal al-kathira al-azima allati qad takun ماذا شاقة على بعض العباد. Avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant beaucoup de dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala va te rendre plus facile et t'adoucir la mise en pratique des autres adorations. Celui qui par exemple trouverait de la difficulté dans la prière, celui qui par exemple trouverait de la difficulté dans le jeûne, dans le hajj, dans le sadaqa, dans le fait de dépenser de son argent, dans la lecture du Coran, la femme qui trouverait de la difficulté à porter le djilbab, à obéir à son mari, à éduquer ses enfants, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une chose à travers laquelle Allah azza wa jal va adoucir la mise en pratique des actions. An Abdillah ibn Busr, anna rajulan qala ya Rasulallah, inna shara'i' al-islam qad kathurat alayhi. فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتعلق أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. أنم est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah: la législation ou bien les préceptes de l'islam sont nombreux pour moi. Les préceptes de l'islam sont un peu lourds pour moi. Informe-moi donc d'une chose à laquelle je m'accrocherai. Informe-moi donc d'une chose à laquelle je m'accrocherai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ta langue ne cesse jamais d'être humide de par le rappel d'Allah. Est-ce qu'on peut traduire comme ça? Ratban min dhikrillah, na'am. Que ta langue ne cesse d'être humidifiée de par, humide de par le rappel d'Allah. Cite
aussi souvent que possible Allah subhanahu wa ta'ala. Occupe ta langue par cette adoration. Que veut dire ce hadith? Est-ce qu'il veut dire que celui qui trouve de la difficulté dans la salat et les autres adorations peut délaisser ses adorations et se contenter de faire du dhikr? Est-ce qu'on peut penser cela? Là, c'est impossible que cela soit le sens du hadith, comme nous dit Abdelrazak, Hafidhahullah ta'ala, Shir. Donc, quel est le sens du hadith? Il dit, c'est-à-dire que celui qui fait beaucoup de dhikr, on va adoucir et facile, lui rendre facile la tâche. En faisant beaucoup de dhikr, ton iman va monter. En faisant beaucoup de dhikr, tu vas aimer encore plus Allah. En faisant beaucoup de dhikr, tu vas avoir envie de te rapprocher de celui que tu cites sur ta langue. À ce moment-là, tu vas te diriger vers quoi? Es-salah. À ce moment-là, tu vas te diriger vers quoi? Es-siyam. Es-sadaqa. El-hajj. Wa hakada. Barakallahu fikum. Voici l'explication du hadith. Les enfants, moins de bruit. Des enfants obéissants que nous avons ce soir. Si seulement ils pouvaient être ainsi à la maison. Hafidhahumullah. Khayru al-a'mal dhikrullah tabaraka wa ta'ala. La meilleure des actions, c'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. An Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن علو مرتبة الذاكرين وأنهم قد سبقوا من قل ذكرهم سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أبو الدرداء رضي الله عنه يجيل مساجد الله صلى الله عليه وسلم دي نفاش باوز انفورمي de vos meilleures actions, des actions qui seront pour vous les meilleures, des plus pures auprès de votre maître ou roi, des plus élevées en degré, meilleures pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleures pour vous que de rencontrer l'ennemi, c'est-à-dire au combat, durant la guerre, de les taper au cou et qu'ils vous tapent au cou. Ils ont répondu: certes, au messager d'Allah, informe-nous de cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dhikrullah, subhanallah, meilleur pour nous que toutes les actions. Plus pur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus élevé en degré. Meilleur pour nous que de dépenser de l'or, al-zahab. De l'argent, al-fidwa, al-wariq, c'est al-fidwa. Meilleur pour nous que de se retrouver dans le combat. D'y mourir ou bien d'y avoir la victoire. Meilleur que tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Dhikrullah. Donc avec Dhikrullah, tu vas atteindre les actions les plus chères, les plus nobles, les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là ont donc dépassé ceux qui font les meilleures des actions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour en voyage, et il était sur le chemin de la Mecque. Comme dans le hadith de Abu Huraira inda Muslim. Il est passé près d'une montagne qu'on appelle Jumdan. Faqala hadha Jumdan. Siru hadha Jumdan. Sabaq al-mufarridin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc au retour de ce voyage en direction de la Mecque, a aperçu une montagne qu'on appelle Jumdan. Il a dit aux compagnons: allez-y, avancez, voici Jumdan. Al-Mufarridoun ont dépassé tout le monde. Al-Mufarridoun vous ont devancé.
Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si il nous donnait l'image d'une course. Il y a un groupe de personnes qui vont faire une course. Qui est le premier qui arrivera? Qui sont les premiers? Qui seront les premiers? Qui dépasseront les autres? Et dans une course, tout le monde va être le premier. Non? Tout le monde va être le premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Zakirina Allah wa al-Zakira. Ceux qui arriveront les premiers sont ceux et celles qui évoquent Allah de manière abondante. Et qui ne veut pas être le premier? Et qui est celle qui ne veut pas être la première? Dhikrullah anja shay'in min adhabillah. Parmi les mérites du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que ce soit la chose qui préserve le plus du châtiment d'Allah. أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله ومن النار وما يقرب إلى النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit il n'y a pas une chose qui sauve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. La chose qui préserve plus et sauve le plus le serviteur, le fils de Adam, comme c'est venu dans un hadith du châtiment d'Allah, c'est dhikrullah. Et qui peut dire, je suis à l'abri du châtiment d'Allah? Qui peut dire, Allah m'a inscrit au paradis et m'a préservé du feu de l'enfer? Qui peut dire, je n'ai pas de péché? Qui peut dire, je n'ai pas de défaut? Qui peut dire, j'ai mis en pratique tout ce qu'Allah m'a commandé et j'ai délaissé tous les interdits? Qui peut avoir cette prétention? Alors qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam au minimum 4 fois dans le Coran de dire قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis, j'ai peur d'un châtiment à venir dans un jour terrible si je désobéis à mon Seigneur. Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cela à travers le Coran. Dis, j'ai peur si je venais à désobéir à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les anges yakhafoun min Allah ont peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadullah as-salihin ont peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous, pauvres que nous sommes, du moins pour ma part, comment est-ce qu'on pourrait se sentir à l'abri du châtiment d'Allah? Nous devons donc chercher des causes pour nous prémunir de cela. Nous devons donc chercher des causes pour nous prémunir de cela. Et parmi les plus grandes causes, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure chose qui préserve du châtiment d'Allah est dhikrullah. Dhikrullah husnun hasin min aduwika al-akbar al-shaytan al-la'in. Le rappel d'Allah azza wa jal, parmi ses grands mérites, le fait qu'il soit pour toi une demeure dans laquelle tu pourras te préserver de ton ennemi déclaré. Qui est le pire ennemi que tu as? Qui répond à cette question? Al-Shaytan. Le pire ennemi, c'est qui? Al-Shaytan. Le pire ennemi, Al-Shaytan. Avant même ton nafs, ta propre personne, avant même tes péchés, avant même tes ennemis qui détestent ta religion et te combattent pour cela et font tout pour que tu sortes de cette religion, avant même tout ça, dhikrullah te préservera de ton ennemi déclaré. Ton pire ennemi, avant même tout ça, c'est le shaytan. Comment te préserver du shaytan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith al-Harith al-Ash'ari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ويعمل به أو أن يعمل به ويأمر به أو يأمر بني إسرائيل أن يعمل بهم وفي الخامسة بعد النهي عن الشرك والأمر بالصلاة والصيام والصدقة قال آمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره
حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. الحديث رواه الترمذي وحسنه أو صححه الألباني رحمه الله. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a révélé à Yahya, le fils de Zakaria, ces deux prophètes alayhi as-salam wa ala nabiyina as-salam. Il lui a révélé 5 paroles. Il lui a ordonné de les mettre en pratique et d'ordonner Bani Israël d'en faire de même. Le premier point, c'était l'interdiction du shirk. Le deuxième point était l'ordre de la prière. Le troisième, l'ordre du jeûne. Le quatrième, l'ordre de l'aumône. Cinquièmement, il lui a révélé « Et je vous ordonne d'évoquer Allah de manière abondante. » L'exemple de cela est à l'image d'un homme qui est poursuivi par un ennemi. Il a un ennemi qui le poursuit, qui s'est lancé à sa poursuite. Il est à ses traces. Usna. Puis, donc celui-ci se sauve et l'autre court derrière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est alors qu'il arrive dans un endroit où il peut s'abriter, où il peut se préserver et se mettre à l'abri de son ennemi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est ainsi que le serviteur ne peut se prémunir du shaitan si ce n'est avec le rappel d'Allah. Donc on nous fait ressembler le rappel d'Allah à une citadelle, à un endroit où on y entre pour se préserver. Et on fait ressembler le shaitan à un ennemi qui a la trace, ou bien qui s'est lancé sur les traces de celui qu'il veut m'a attrapé. Toi, tu es la proie. Celui qui te poursuit, c'est le shaitan. Comment te préserver du shaitan? En entrant dans une demeure? En entrant dans une maison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit avec dhikrullah. Dhikrullah khayrul ma. Les gens courent, pour la plupart, à la recherche de quoi? Derrière quoi? Naam, l'argent. Derrière l'argent. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé وَالَّذِينَ أَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ, ceux qui thésaurisent, donc sans s'acquitter des droits, thésaurisent l'or et l'argent. Donc Allah azza wa jalla a cité des menaces et des châtiments. قال ثوبان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه. ثوبان رضي الله عنه دي عفوا nous étions avec le prophète sallallahu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. C'est alors que certains compagnons ont dit, suite à la révélation du verset concernant l'or et l'argent, si seulement nous savions quelle est la meilleure des richesses, quelle est la meilleure des richesses afin de s'en accaparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه الترمذي وقال الألباني صحيح لغيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des richesses, le meilleur bien, c'est une langue évocatrice, c'est une langue qui évoque Allah. Voici la meilleure richesse, un cœur reconnaissant, un cœur qui est reconnaissant, et une épouse croyante qui t'aidera dans la foi. Dans ce hadith,
les compagnons ont fait allusion aux meilleures richesses de dunya. L'or, l'argent, les maisons, les jardins, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que noble et meilleur conseiller, les a orientés vers la meilleure des richesses. Vers la meilleure des richesses, en leur disant, lisanun dhakir, wa qalbun shakir, wa zawjatun mu'mina tu'inuhu ala al-iman, ou ala imani. Une langue qui évoque Allah, ou qui évoque. Un cœur qui est reconnaissant. Et une épouse croyante qu'il t'aide dans ta foi. Donc celui qui, à qui on n'a pas facilité le commerce, ou un travail, ou telle source de richesse, s'il a une langue qui évoque souvent Allah, un cœur qui est reconnaissant, et une femme pieuse, qui l'aide et s'entraide avec lui dans les actions pieuses, qu'il sache qu'il possède la meilleure richesse. Il possède la meilleure richesse, meilleure que ceux qui possèdent des millions, sans ces trois choses citées dans le hadith. Nas'alullah min fadli. Bidhikrillah hayatul quloum, wa ihya'uha, wa shifa'uha, wa dawa'uha. Avec le rappel d'Allah, il y a la vie des cœurs. Il y a le remède pour tous les cœurs. Le cœur est tantôt ou peut être mort, avec Zikrullah il y a sa renaissance. Tantôt le cœur est malade et son remède se trouve dans quoi? Zikrullah. Tous tes problèmes, sache que leur remède est Zikrullah. L'ordonnance, c'est Zikrullah. Tu as mal à la tête, Zikrullah. Tu as mal au cœur, Zikrullah. Tu es blessé, Zikrullah. Tu as un djinn, Zikrullah. Tu es pauvre, Zikrullah. Tu es fatigué, Zikrullah. Tu veux de la force, Zikrullah. Tu veux le Jannah, Zikrullah. Tu veux éviter l'enfer, Zikrullah. Ton cœur est mort, Zikrullah. Ton cœur est malade, Zikrullah. Zikrullah, shifa'un li kulli da. Zikrullah, shifa'un li kulli da. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري ومسلم فلا حياة حقيقية إلا في ذكر الله وبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple de celui qui cite et évoque Allah, de celui qui ne le cite pas, est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort, subhanallah. Celui qui évoque Allah, hey, il est vivant. Il est vivant. Et celui qui ne cite pas Allah, ne l'évoque, wa mayyit. Au point où des savants ont dit, celui qui n'évoque pas Allah, vous le voyez marcher, manger, ben sachez qu'en réalité il est mort. Sachez qu'en réalité il est mort. Et son corps est la tombe de son cœur qui est dans sa poitrine. A'oudhu billah. Son corps, hein, c'est un cimetière, c'est une tombe. Qu'est-ce qu'on y a enterré? Son calme. Son calme, son corps, c'est le cimetière. Sa poitrine, c'est sa tombe. Et ce qui a été enterré, c'est quoi? C'est son cœur. C'est son cœur. فَأَعَادَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Qu'Allah nous préserve tous d'être distraits du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, il y a la vie des cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a même appelé le Qur'an Ruhan. C'est une âme venant de lui. Car avec le Qur'an, on a redonné la vie à des peuples qui étaient morts de par le shirk, de par le kufr, de par l'ignorance, de par le zulm, l'injustice. Awa man kana mayta fa ahyayna. N'as-tu pas vu celui qui était mort à qui nous avons redonné la vie? Avec quoi on redonne la vie? Avec le Coran. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Avec le Coran, avec Zikrullah, on a redonné vie à des cœurs qui étaient morts, subhanallah, qui étaient dans le kufr, qui enterraient des filles vivantes, qui se combattaient, qui opprimaient le pauvre, spoliaient les biens de l'orphelin, opprimer les femmes et les esclaves.
avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, cette nation est devenue la meilleure, cette communauté est devenue la meilleure, et ils ont rattrapé et dépassé l'ensemble des communautés. Sahabaku, Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, avec le rappel d'Allah, ont devancé tout le monde, et personne après eux ne les égalera. Après avoir cité l'importance du rappel d'Allah et ses mérites à travers le Coran et à travers la Sunna, troisièmement, je cite ici Fadlu majalis dhikr. Fadlu majalis dhikr. Le mérite des assises de science. Le mérite des assises où on évoque Allah tabaraka wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا أي زائدون على غيرهم من الملائكة في هذا العمل يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يمتلوا أو حتى يملوا ما بينه وبين السماء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا أو وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عباد من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال فما يسألوني قال قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال وكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا يا رب قال وكيف قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقولون قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال ويقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم هذا قول الملائكة بعضهم قال فيقول وله غفرته وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا إله إلا الله ما أعظمه من حديث. Je vais tenter de traduire ce hadith, le hadith d'Abi Hurayra rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et cette version est la version de l'imam Muslim. Allah le Très-Haut a des anges en plus qui parcourent la terre à la recherche des assises de rappel. Et lorsqu'ils trouvent une assise, ils y prennent place. Je vais mélanger les deux versions, comme c'est l'habitude de certains muhaddith, sun, puis ils s'appellent les uns les autres, jusqu'à remplir l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel. Et ils abaissent leurs ailes, et les entourent de leurs ailes, ou les couvrent de leurs ailes. Naam, au point de remplir l'espace qu'il y a jusqu'au ciel. Puis, à la fin de l'assise, ils se séparent, et se dispersent. Puis remontent vers le ciel ou vers le haut. Alors Allah leur demande, bien qu'ils sachent mieux qu'eux, d'où revenez-vous? Ils répondent, de certains de tes serviteurs sur la terre. Ils proclament ta pureté, ta grandeur, ta perfection, ton unicité, et ils te demandent des choses. Puis Allah dit, et qu'est-ce qu'ils me demandent? Ils répondent, ils te demandent ton paradis. Alors Allah dit, et est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Les anges répondent non. Puis Allah dit,
quels seraient alors leurs agissements s'ils l'avaient ? Alors les anges répondent, ils auraient redoublé d'efforts. Puis Allah dit, ou plutôt les anges disent, ils recherchent refuge auprès de toi. Alors Allah dit, contre quoi est-ce qu'ils recherchent refuge auprès de moi ? Les anges disent, contre le feu. Contre ton feu. Alors Allah dit, est-ce qu'ils ont déjà vu ? Les anges disent, non. Alors Allah dit, comment est-ce qu'ils se seraient comportés s'ils l'avaient déjà ? Alors les anges disent, sans aucun doute, ils auraient encore plus peur. Ils te demandent pardon pour leur péché. Ils te demandent pardon pour leur péché. Alors Allah dit, je leur pardonne à tous. Tous les gens qui étaient dans cette assise. Allah dit, je leur pardonne à tous. Et j'accorde à chacun ce qu'il demandait. Et je préserve chacun contre le mal qu'il redoutait. C'est-à-dire qu'il pardonne les péchés de chacun. Il accorde à chacun le paradis. Et il préserve chacun contre le feu de l'enfer. C'est alors qu'un ange dit, « Oh mon Seigneur, il y a avec eux un tel. Il ne fait pas partie d'eux. Il n'était pas à la base dans cette assise. Mais il est passé par là et a pris place. » Allah dit, « Même lui, je lui ai accordé mon pardon. » Voici l'assise. Jamais quelqu'un ne sera perdant à fréquenter ces gens. Voici l'assise. Jamais la personne qui prend place avec eux, avec ces gens-là, ne pourra être perdante. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Majalis al-dhikr, majalis al-malaika. فليس من مجالس الدنيا لهم مجالس إلا مجالس يذكر الله فيه. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit, les assises de rappel sont les assises des anges. Et les anges n'ont pas d'assises dans ce bas monde, si ce n'est les assises où on y évoque Allah. Comment est-ce qu'après avoir entendu ce hadith, on pourrait avoir de la paresse quant au fait d'assister au cours. Subhanallah, El Malaika yatatabba'una hadhihi al-majalis. Les anges recherchent ces assises. Et nous, qui sommes dans le besoin du pardon d'Allah, des récompenses, on va faire preuve de maza. On va avoir des manques, un manque dans la motivation. Cela n'est pas convenable. Le second hadith, faisant référence au mérite des assises de rappel, le hadith de Muawiyah radiallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kharaja ala halqatin min ashabi. Faqala ma ajlasakum. Qalu jalasna zkurullah. Wa nahmadu ala ma hadana lil islam. Wa man nabi alayna. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة رواه مسلم. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a vu ses compagnons et réuni dans un cercle de rappel ou de science. Il leur a dit, pourquoi êtes-vous unis ainsi? Ils ont répondu, nous sommes assis afin d'évoquer Allah, de le louer pour le bienfait qu'il nous a accordé quant à la guidée de l'islam et toutes les faveurs qu'il nous a accordées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jurez par Allah que c'est cette chose qui vous a fait vous réunir. Ils ont dit, on jure par Allah que c'est cette chose qui nous a réunis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui me concerne, je ne vous ai pas demandé, je jurai, car j'ai pensé du mal de vous. Non, mais Jibril est venu me voir et m'a informé qu'Allah se vantait de vous auprès de ses anges. Subhanallah. Avez-vous entendu le mérite de ceux qui peuplent les assises de rappel? Allah azza wa jal yubahi bihumul malaika. Allah azza wa jal se vante de ses serviteurs qui se sont unis pour le rappel d'Allah auprès des anges.
Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que dans ces assises, il y a le pardon des péchés, pour les péchés. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات رواه أحمد وقال الألباني صحيح لغيره un حديث عظيم qu'on entend rarement. Écoutez avec vos cœurs avant vos oreilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent pour évoquer Allah en ne recherchant à travers cela que son visage et de se rendre une grande faïda, c'est que celui qui vient dans une assise de science, il doit avoir l'ikhlas pour avoir ses mérites, la sincérité. Et ne recherchant par cela que le visage d'Allah, sans qu'un héros ne les appelle du ciel, sans qu'on ne les appelle du ciel, en leur disant, levez-vous, car certes on vous a pardonné vos péchés. Levez-vous, on vous a certes pardonné vos péchés. Suite à une assise de science, lorsque tu te lèves, Allah t'a pardonné tes péchés. Est-ce que la récompense s'arrête ici? Non, poursuivons le hadith. قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ On vous a pardonné vos péchés. Et on a transformé tous vos péchés en bonne action. La ilaha illallah. On te pardonne tes péchés. Ajoute à cela qu'on prend tes péchés, on les transforme en bonne action. Où est-ce que tu vas trouver cela? Quel voyage pourrait te donner cela? Quelle mère affectueuse, protectrice pourrait t'accorder cela? Quel père protecteur pourrait t'accorder cela? Quelle épouse dévouée pourrait faire cela pour toi? Quel patron pourrait te donner cela? La yaghfiru dhunub illa Allah. Personne ne peut pardonner tes péchés si ce n'est Allah. Personne ne peut transformer tes péchés en bonne action si ce n'est Allah. Et cela se trouve dans les assises de science. Levez, vous, on vous a pardonné vos péchés. Et on a transformé vos mauvaises actions en de bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les récompenses que les gens trouveront yawm al-qiyama pour avoir assisté aux assises de science. Il nous dit, les compagnons ont dit comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr radiallahu anhumah, dans le recueil d'Imam Ahmed, « Ya Rasulallah, ma ghanimatu majalis al-dhikr ?»« Qala ghanimatu majalis al-dhikr al-jannah » Les compagnons disent au messager d'Allah, quel est le but, hein? Qu'avons-nous à gagner dans les assises de rappel? Il a dit, ce que vous avez à gagner, le butin, c'est le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces assises les jardins du paradis. Et il nous dit, lorsque vous voyez les assises du paradis, prenez-y place. Ils ont dit, qu'est-ce que les assises du paradis au messager d'Allah? Il a répondu, majalis al-dhikr, les assises de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite également l'état dans lequel seront ressuscités ceux qui participaient aux assises de science. En disant comme dans le hadith d'Amr ibn Abbas, « Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, an yamin ar-Rahman, wa kilta yadayhi yamin, rijalu laysu bi anbiya'i wa la shuhada, yarsha bayadu wujuhim nadaran nazirin, yarbituhum al-anbiya'i, يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل قيل يا رسول الله من هم قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله يجتمعون على ماذا على ذكر الله le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la droite du tout miséricordieux, et ses deux mains sont droites, il y aura des hommes qui ne font partie ni des prophètes. Écoutez ce hadith. Ils ne font partie ni des hommes, et bien sûr ça englobe les femmes. Ils ne font partie ni des prophètes, ni des martyrs. La blancheur de leur visage éblouira le regard de ceux qui les regarderont.
Leur visage sera tellement resplendissant et blanchi que ceux qui les regarderont seront éblouis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les prophètes les environ. Allahu Akbar. Lorsque les prophètes vont les voir, ils vont les envier. Ils auraient aimé avoir leur place, ainsi que les martyrs. Tellement ils seront proches d'Allah. Alors ils ont dit, mais qui sont-ils aux messagers d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des gens de différentes tribus, qui n'ont pas de lien de parenté. Ils se sont juste réunis pour le rappel d'Allah. Ils se sont réunis. Pourquoi? Pour le rappel d'Allah. Rawahu at-Tabarani rahimahullahu ta'ala qala al-Albani al-Hadith hasanun li ghayrihi. On va finir après la prière, inshallah ta'ala, les deux derniers points. Alhamdulillah wa ba'd. On poursuit في ذكر فضائل مجالس الذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجس أعرابي على ركبتين فقال يا رسول الله حلهم لنا لنعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه رواه الطبراني على الألباني هو صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit l'état sous lequel seront ressuscités ceux qui peuplaient les assises de rappel. Ceux qui venaient dans les assises pour apprendre leur religion, pour se rappeler d'Allah Azza wa Jalla et ses bienfaits sur eux. Ceux qui s'inscrivaient aux assises de science, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans l'apprentissage du Qur'an, que ce soit dans l'aqidah, dans le fiqh, dans le sirah, dans le tafsir. Tous ceux qui entrent dans dhikrullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sans aucun doute, Allah va ressusciter des gens le jour de la résurrection avec des visages illuminés. Donc ils auront au visage de la lumière. Ala manabiri lu'lu, sur des trônes, des chairs de perles, faites de perles. Yarbituhum an-nas, comment ces gens seront ressuscités? Le visage plein de lumière. Sur des trônes faits de perles. Yarbituhum an-nas, les gens les environ. Lorsque tu entends ce hadith, tu te dis peut-être que c'est la place qui ne convient qu'à un prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit laysu bi anbiya, ils ne sont pas prophètes. Alors tu te dis ce sont les martyrs. Wala shuhada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ni des martyrs. À ce moment-là, tu te dis peut-être que par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa miséricorde, je peux y entrer. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Vous avez entendu ce hadith. Quel effet vous a procuré ce hadith? Vous, je ne sais pas, je vais vous citer l'effet d'un bédouin qui a assisté à cela. Fajasa a'rabiyun ala ukbatayn. Un bédouin, lorsqu'il a entendu ce hadith, des hommes qui seront ressuscités yom al-qiyama avec de la lumière au visage, sur des trônes de perles précieuses, de perles, فَجَاثَ أَعْرَبِيُّنَ عَرَكُبَتَيْنَ, il est tombé sur ses genoux. Il a entendu ce hadith, il est tombé sur ses genoux. Et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, dévoile-nous qui sont-ils.
afin qu'on sache. Décris-les-nous afin qu'on puisse les reconnaître. Faqal, humul mutahabbuna fillah. Ce sont ceux qui se sont aimés pour Allah. Ce sont ceux qui se sont aimés pour la cause d'Allah. Min qaba'ila shatta. Ils viennent de tribus différentes. Wa yajtami'un 'ala dhikrillah. Et ce qui les unit, ce pourquoi ils se réunissent, c'est quoi? Dhikrullah. Le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah. Et ils l'évoquent. Ces gens-là ne sont pas aimés pour un profit mondain. Ou parce qu'ils avaient besoin les uns des autres pour une chose de la dunya. Non. Il a aimé son frère parce qu'il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il a aimé son frère car il pose son front par terre. Il a aimé son frère car il veut l'agrément d'Allah. Car il essaye d'éviter l'enfer. Il l'a aimé juste pour ça. Pourtant, ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes parents. Mais il se peut que tu aies un frère que ta mère n'a pas enfanté. Et wallah. Il se peut que tu aies un frère que ta mère n'a pas enfanté. De par le lien que tu as avec tes frères fillah. Il se peut que tu aimes plus ton frère fillah que ton frère de sang. Wa kadhalik. Wallah musta'an. Ces gens-là n'ont pas le même nom, n'ont peut-être pas la même couleur, ils n'ont pas le même nasab, ils n'ont pas la même lignée. Qu'est-ce qui les a unis? Pourquoi ils se sont connus? Comment ils se sont connus? Pourquoi ils se fréquentent? Que se passe-t-il dans leurs assises? Lui, il vient du Mali. Lui, de l'Algérie. Lui, de la Tunisie. Lui, d'Égypte. Lui est français. Et ainsi de suite. Pourtant, ils sont tous dans la même assise. Subhanallah. Ils se réunissent tous pour la même cause. Laquelle? Humul mutahabuna fi. Ce sont ceux qui se sont aimés pour Allah. Ils se sont aimés pour Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ils se réunissent pour le rappel d'Allah. Ils se réunissent pour zikrullah. Donc toute personne qui s'unit pour cette cause, qu'il espère chez Allah azza wa jal faire partie de ces gens-là. Wa ma zalika ala Allah bi'aziz. Ne vois pas cela loin chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala. Alayka bisidq wa fawid amrak ila Allah. Sois véridique dans la recherche de la science. Sois véridique dans les assises de science. Recherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Sois endurant, motivé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sayaftah wa alayk. Allah tabaraka wa ta'ala va t'ouvrir les portes, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans la mémorisation du Qur'an, que ce soit dans la compréhension du fiqh, du halal et du haram, que ce soit dans sa soumission. Efforce-toi d'évoquer Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que les préceptes de l'islam te soient adoucis. La yazal lisanuka ratban min dhikrillah. Une chose qui est recherchée par l'ensemble, c'est le bonheur, l'apaisement du cœur et sa tranquillité. Et la France est un des pays ou le pays qui consomme le plus de médicaments qui selon eux, apportent la tranquillité et le repos. Naam. Tout le monde recherche le bonheur, même les animaux. Même les animaux. Tout le monde a la recherche de l'apaisement du cœur, sa tranquillité, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que tout cela on le trouve fi majal physique. Tu n'as pas besoin d'aller au médecin. Tu n'as pas besoin d'aller au médecin. Fi hadha al-majlis, al-majlis, al-majlis tajid dhalik. Dans cette assise se trouve cela. Wa fi majalis ahli sunnah. La siyama العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Il n'y a pas un groupe de personnes qui prennent place dans une assise afin d'évoquer Allah sans que par cela les anges ne les couvrent ou les enveloppent. Que la miséricorde ne les englobe ou les enveloppe. Que la sérénité descende sur eux et sans qu'Allah ne les cite. Tous ces mérites pour qui?
pour toi, ya Abdallah, pour toi, ya Amatallah, pour toi, ô serviteur d'Allah qui est venu dans une assise pour te cultiver dans ta religion, pour toi, chère sœur qui est venu dans une assise pour apprendre ta religion et craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Quels sont ses mérites? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit premièrement, les anges les entourent, les couvrent. Les anges ne font pas ça pour les médecins. Ils ne font pas ça pour les ingénieurs. Ils font ça pour talibul ilm, pour celui qui recherche la science. Deuxièmement, la miséricorde les englobe ou les enveloppe. Naam. La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle pour laquelle on agit, celle pour laquelle on essaie de faire le bien et de délaisser le mal. Troisièmement, وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَ, la sérénité, la quiétude, la tranquillité du cœur descend sur. Et dernièrement, plus grand que tout cela, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, et Allah les cite. Tu cites Allah, comme on l'a déjà cité, Allah te cite, rawahu muslim. Voici certains mérites des assises de science. Et pour conclure, le dernier point de cette conférence, التحذير من المجالس التي لا يذكر فيها ذكر الله. Allah. La mise en garde contre les assises dans lesquelles on n'évoque pas Allah. La mise en garde contre les assises dans lesquelles on n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit comme dans حديث أبي هريرة apporté par le Bayhaqi, Ibn Abi Dunya et d'autres. L'imam al-Bani dit qu'il est sahih al-Ghayra, rahimahumullah. Il n'y a pas un groupe de personnes qui prennent place dans une assise pour évoquer Allah. Pardon. Il n'y a pas un groupe de personnes qui prennent place dans une assise sans, ou bien en ayant omis, ou sans évoquer Allah, et sans avoir prié sur leur prophète, sans que cela ne soit pour eux une source de perte et de regret. Je reprends la traduction. Toute personne prenant place dans une assise dans laquelle il n'aura pas évoqué Allah ni prié sur son prophète, cette assise sera pour lui une source de regret, une source de perte et de regret. Puis, si Allah veut, il châtiera les gens de cette assise. Et s'il veut, il leur pardonnera. S'il veut, il leur pardonnera. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa kana alim hasra yawm al-qiyamah wa in dakhalu al-jannata lis-sawab. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose, puis il dit même s'ils entrent par la suite au paradis pour la récompense. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma min qawmin yaqumuna min majlisin illa yadhkuruna allaha fi » Afwan. « Ma min qawmin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna allaha fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana alim hasratan yawm al-qiyamah » Rawa Abu Daoud wal Hakim. Wa qal sahihun ala sharti muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, toute personne qui prendra place dans une assise sans évoquer Allah sera à l'image ou sera à l'image d'un groupe de personnes s'étant levé et séparé d'une charogne d'âne, d'un cadavre d'âne. Si tu viens dans une assise et que dans cette assise toi et les gens de ton assise n'avaient pas évoqué Allah, lorsque tu quittes cette assise, c'est comme si tu te séparais du cadavre d'un âne. Wa kana alim hasratan yawm al-qiyamah, et cela sera pour eux une source de regret le jour de la résurrection. هذا الذي تيسر
قد أطلت عليكم وأشكر الصابرين من المسؤولين أسأل الله تبارك وتعالى لي ولنا وله التوفيق والسداد والثبات على الإسلام والسنة ويتوفنا مسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم ارفع اللهم ارفع درجاتها في الجنة اللهم ارفع درجاتها في الجنة وأسعدها في قبرها ونور قبرها اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بتتم الصالحات Et à partir de jeudi prochain, Inch'Allah Ta'ala, on étudiera un livre d'invocation d'Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala. Et cette conférence faisait office d'introduction à ce nouveau cours. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.